Salut à tous, salut YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Total War Saga 3 avec même nom d'Éthiopien, ou d'Éthiopie comme vous préférez. On a réussi à faire notre percée en Crète, on a rasé la ville de Sété, on est en train d'avancer sur l'île de Crète pour accomplir notre mission, et on verra un peu ce que ça donne. Donc là je suis en train de conclure la paix avec des ennemis que je ne compte pas taper tout de suite, par exemple Salamine, même si c'est un Achaïen, mais je le taperai dans un futur qui n'est pas encore proche. Donc récupérer un peu de pierre et de bronze, je dis oui. Je vais essayer de voir si je peux. On va regarder comme s'il n'y a pas des ennemis que je voudrais calmer. Alors, Pylos, non. Ithaque, c'est encore loin, mais cette colonie. Hein. I'll be honest. I have little faith in this meeting. Bon, on va te réclamer. On va lui taxer des ressources. Si je te réclame 4000 de bronze, tu diras quoi? 3000? 3005? 3250? 3275, 80, 3284 de bronze pour une paix, moi je dis oui. Hein. On va remettre nos stocks à flot. Ça fait toujours un ennemi en moins sur le dos. Très bien. King of Ethiopia. Donc là mon armée, est-ce qu'elle peut attaquer ou pas? Non. Par contre, je crois que je peux faire ce bâtiment là. Un bonus de charge pour toute l'armée et après un bonus d'armure au niveau ultime, ça va être important. Et ça aussi, hop. On est en train de faire de la horde de même nom, une horde de guerriers. Hein. Une vraie armée de métiers. Hop. Donc sinon, Thanos, la qualité du stream, elle est fluide, t'as pas de soucis, j'ai fait une petite mise à jour. Ok, ça recrute en masse là-bas. Bon, je vais préparer ça. C'est nickel, bah ça me fait plaisir. Bon, il y a une autre unité là qui va manger. Je vais l'accepter. Il y a juste une petite coupure en moi, mais ça c'est avec mon répétiteur aussi, hein, de temps en temps. Bon, notre unité a un peu souffert malheureusement, mais globalement ça va. Je vais raser et tuer, comme ça cette faction n'existera plus. Je vais me cacher là. On est à 100%. Hein. Par contre, peut-être que si je faisais un mouvement malin, je vais voir si je peux pas recruter d'autres guerriers Chardan. Je vais en prendre, hein. il m'en faut une dizaine. 1000 de bois et 300 d'or. Serve me, my friends, in Pharaoh's blessed name. Parfait. Comme ça, là, on va avoir une armée assez destructrice. Comme, si vous me permettez l'expression. Après, peut-être que je reprendrai des. Peut-être pas des E là. Mais eux, si je peux avoir des chasses, des arcées de Wawat. Et quelques Magi, ce serait cool. Bon, on a les lanciers géants qui font le boulot, mais pourquoi pas. On a vu ce que font les guerriers Chardan sur le champ de bataille, ce sont des machines à tuer. Notre objectif là, c'est Knossos pour faire la mission épique. La quatrième, hein, bon. Je sais qu'on a pris un peu de retard pour certains, mais c'est voulu. Parce qu'il faut avoir une bonne base économique. Hein. Lithos. Alors, attention. Si je me mets là, j'ai 53%. Oh, il y a une belle armée. Embuscade. On va voir si l'armée tombe dessus. Parce que là, il y a une ville ici, que Knossos doit être là. Bon, bah c'est une armée de qui ça? Ah, c'est Sarpedon, bon. Ok, on va le prendre. J'aurais aimé une autre armée, mais bon, pourquoi pas. 32 pertes, c'est correct.
On va renflouer. Bon, au moins Sarpedon, il va commencer à se calmer un peu. Maintenant, que va faire que nos sauces... Ah oui, il me redéclare la guerre, je sais pas pourquoi. Ça, c'est chiant des fois dans les Total League. En fait, ce qu'il faudrait qu'il revoie pour le prochain moteur... pour moi, c'est... comment ça s'appelle? La diplomatie, il faut la revoir. Il y a trop d'incohérents, je trouve. Si je fais ça, je perds mon avant-garde de géant. Et il sortira avec toute son armée. J'ai sacrifié mon avant-garde, allez. Ça va, j'ai pas eu tant de pertes que ça. Regardez mes guerriers Chardan, ce qu'ils ont fait en dégâts. Je vais prendre le 13% de reconstitution. Protège son peuple. 6 à la défense, en met toutes mes unités. Et là, si on fait tomber Knossos, on est bien. Donc la prochaine cité Lithos, ça va nous donner de la visibilité sur toute la zone. Bon, après Thanos, hein, bon, on peut discuter hein, pour le débat du village de bronze qui te fait peur. Hein. Moi, je comprends tes craintes, hein, mais je pense que... Je pense que ça peut être une bonne chose. S'il arrive, mais pas en mode mythologique, là, je parle. Je perdrai mes deux guerriers, mes lanciers de géants seraient endommagés. On va l'accepter. Hein. Si on peut faire tomber Vicnosos. Ben ça va. Bon, les épices félicitains, ça va encore. They serve Pharaoh now. Memnon. Donc là, on est en camp. Knossos, là, on va vite se la faire au prochain tour. Et là, on va raser Knossos, Gortyn, Phaistos et on va remonter comme ça. Ah, Memnon est déjà ici. Memnon. Aga, Memnon, excusez-moi. Entre Memnon. Hein. Voilà, oui. Eux, ils peuvent pas recruter les trucs d'Artémis. Non. Par contre, là, on va avoir besoin de renforts. Donc là, je peux pas recruter de guerriers Chardan. Je vais attendre un tour quand même pour les prendre. Servant of Egypt. Que là, je pourrais en rajouter deux de plus. Il me faudra un meilleur pool en fait. C'est ça que j'ai pas à l'heure actuelle. Bon, tu sais quoi, en attendant, on va embarquer les frondeurs. C'est pas le must-have, mais bon. Je les prends quand même en attendant. Pour pas avoir de pool d'unités vide, quoi. Ils seraient capables de m'attaquer parce que j'ai pas beaucoup d'unités. Là, on va avoir un bon bonus avec Poséidon. Toi, tu me proposes un traité de paix. Vas-y. Ah non, 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 vous êtes au bord de la destruction. Je croyais que je vais vous laisser partir comme ça. Non, mais oh, ça va pas, non? Bon, déjà, Knossos. Bonjour, Knossos. Remember your training. Au revoir, Knossos. Là, on va faire raser et tuer. Poséidon est ravi. Nous avons fait la mission épique des secrets de Knossos. De la porte de Crète avec raser Knossos. On va gagner 2000 d'expérience pour nos héros, mais c'est pas la peine puisque même nos héros maximal. Et pendant 8 tours, 100% de temps pour les décrets royaux. Alors maintenant, l'ambition d'un roi. Quelle patrie protégeons-nous, seigneur des Éthiopiens, en rasant les cités anciennes sur des rivages lointains, alors que les grandes fresques de Knossos noircissent sous les flammes? Un vieux marin aux jambes arquées de Memphis s'approche et se racle la gorge. Oh, Memnon, quel foyer avons-nous défendu en dévastant cette lointaine capitale?
Quel danger ces nobles colonnes des armées brisées représentaient-elles pour les terres du roi Soleil? Les hommes se tournent vers vous, le regard sombre. Jurez des détroits. Donc ça nous donnait 20 relations diplomatiques avec les pélages et 5 de revenus d'or. Booster, jurer dessus l'Ethiopie, mais ça va être un boost. Le 5 d'or me plairait bien en vrai. Vu comment c'est que Memnon c'est une machine à tuer. Allez. Très bien, maintenant il va falloir que je déplace le roi des fous, mon personnage, à la région d'Étis. Donc c'est... Ah, on va devoir descendre en Grèce, ok. Alors, l'armée du roi d'Éthiopie se déverse sur le rivage spartiate, jurant d'apporter la paix par la parole ou la lance. Seul un fou déclencherait une guerre coûteuse pour une affaire personnelle, et pourtant c'est exactement ce qu'a fait le spartiate Ménélas en contestant la revendication légitime de Paris envers Hélène. Aussi indigne soit-il, il n'en reste pas moins un roi. Et avant que le sang ne soit versé sur les plages de Lacédémone, il faut laisser une chance à la diplomatie apaisée. Il est temps de rencontrer le seigneur de Sparte, de la famille des grands princes. Obtenu comme récompense après avoir accompli une série de missions épiques. Ça, c'est bien. Ça va nous aider un peu. Le bois de Gortin et le bronze de Phaistos. Donc là, je choisis les batailles pour pas avoir trop de dégâts. Peut-être qu'on rencontrera Agamemnon et ses Ménélas en Crète. Ça pourrait être rigolo, ça. Là, je vais remplacer un de ses frondeurs, du coup. Donc, pour le guerrier Chardin, on en a déjà 5. Eux, je vais les garder quand même. Le cavalier, là, je vais peut-être le dégager à un moment. Le centaure, je vais garder les deux lanciers géants, ça me suffira. Et eux, ils vont être remplacés aussi à terme. Si on peut mettre la crête à genoux, on va le faire. Et si on peut récupérer des bonus contre d'autres généraux, c'est encore mieux. Parce que ce qui fait la porte de cet opus aussi, c'est ça, les bonus que tu as en battant les différents généraux, c'est cool quoi. Bon, même si Warhammer a aussi ça, mais je trouve que sur un Total War comme celui-ci, ça, c'est vraiment top. En route pour Gortin, est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un, mais bon, pour combien de temps? Voilà ce que ça fait, hein. La crête, ça fait perdre la tête aux gens. Hein. L'intrépidité de Memnon est connue. Alors, est-ce qu'il y a autre chose derrière? Oh, on peut peut-être anéantir. On peut anéantir là nos sauces. Merci. Leave no place to hide. Forward, servant of Egypt. Prochaine étape, la mine d'or de Lapa. Onward, brothers. Je regarde un petit. Ah, on a débloqué des bonus là. Et en vrai, ça, je l'embarque, ce vivandier là. Il peut rendre fatigué les armées adverses avant le début d'une bataille, ce qui peut donner un gros avantage, quoi. Et là, on a le bonus d'armure pour toutes nos unités. Donc là, on se retrouve avec des unités de javelot qui ont 35 de bas au pire, les archers là 55, les lanciers 80, donc les éclaireurs centaures 40, ouais, ça va. Bon, dans deux tours, on va encore appeler du Chardin. Hein. On va le remplacer, cet éclaireur, il sert plus à grand chose. Et si on peut récupérer un guerrier ou chou, ça sera pas de refus. Voilà, on part sur les 10 carrément Chardin. Il
J'irai jusqu'au bout de cette campagne, les deux victoires. Héphaïstos nous bénit. Ah, entretien en bronze pour toutes les unités, moins 10 dans l'armée. Moi, je dis oui, hein. Alors, par contre... Il y a personne, sérieusement. Bon, bah bonjour, Mycène. Hein. C'est première rencontre. Time to test our skill. On va récupérer de l'or, ça c'est très bien. On a quasiment 3000 d'or. Hein. Le deuxième nom de Memnon, c'est Crésus. Prochaine étape, Aptera. Est-ce qu'on peut pas faire d'autres paix là en attendant? Les Abans, vous êtes loin encore. Do not try to take advantage of me. T'as plus beaucoup de pierres, t'as plus beaucoup de nourriture, mais je te demandais 5000 de nourriture et 1000 de bois. Allez, 250 de bois. Allez. Hop. Ça en fait encore un moins sur la liste. Donc nos sauces, ils se sont barrés loin. Je leur fais la paix, mais je leur demandais pas mal de ressources. 5000 de pierre, ça me semblerait bien. Bon, 2000 de pierre, peut-être on va être raisonnable. Bah, les unités les plus puissantes du jeu, ça dépend de comment tu veux le dire, Thanos. Ce que c'est en termes d'infanterie et tout. J'avoue que le roster de Memnon, vu sa diversité, c'est très polyvalent. Je dirais. De là à dire que c'est les plus puissantes, j'ai envie de dire que les Myrmidons, les Éludecteurs, ça reste quand même un cran au-dessus, quoi. Mais bon, même si l'équilibre, il se fait. Après, il faudrait tester en multi, bien sûr. Parfait. Au moins que nos saucissons loin qui restent sur leur île et qu'ils y pourrissent. Mais bon, j'avoue que les guerriers Shardan, là... Regarde-moi les stats. Bon, après, ils ont l'expérience et l'équipement des Phaistos, tu vois, donc ça... Ça peut être trompeur aussi, ça. Donc là, on aura de la faveur d'Arès. Là, je referai une hécatombe à Poséidon pour aller en Grèce. On est bientôt tour 100. J'ai l'impression qu'ils ont laissé la crête sans défense comme ça. Ouais. Ouais. Ça c'est fait les éclaireurs. Il me reste 5 tours pour les secrets de Knossos. Qu'est-ce que je peux débloquer en 5 tours? Je vais en taper, tant pis, je vais mettre du temps là, mais pourquoi pas. Les vivants d'Éthiopie, donc ça va remonter à un moment certes, mais bon. Fils de Téton, de Titon ou Téton, je sais plus c'est lequel. Remember your training. With pride and valor. Parfait. This city's story ends here. Arès est satisfait. Est-ce qu'il y a quelque chose là? J'ai peur qu'il y ait une armée sidonia. Oh non, ça va. On va se mettre en camp quand même. Comme ça, on marque une unité. Après, là, je vais rappeler comme un Shardan, allez. J'en aurai déjà 6 comme ça. Voilà, nickel. Il coûte
coûte quasiment rien en bronze. Hein. 17 de bronze avec mon bonus. Hop, on travaille. Alors, les objectifs. Cinquième mission, on est. Hein. On a déjà rasé Knossos ici. L'antagoniste, on essaie de le trouver, on va le travailler aussi. Mais en vrai, même non, c'est l'archétype du personnage pour assiéger les cités. Avec tous les bonus qu'il a, les cités, ça tombe en 2-2. Hein. Bon, je vais faire une petite bataille à Sidonie. Je vais juste envoyer les Chardanes devant. Et les autres, ils vont regarder. Et là, à terme, je pense que dès que je peux débloquer le territoire éthiopien, je vais, avoir tous les, je vais mettre tous mes les meilleurs javeliniers et les meilleurs archers. In Pharaoh's name, it shall be so. To the field of battle. On est d'accord que c'est grotesque. Hein. Je vais la faire quand même. Hein. On va voir un peu les Chardanes en action. Je les adore, ces gars-là. Oh putain, c'est une ville labyrinthique. Je hais les villes labyrinthiques. Ils ont qu'un seul lancier, ils ont deux archers pénibles. Très bien. Archer Chardan. Pas Sherman, hein. Chardan, j'ai dit. On va les dire à nos éclaireurs centaures d'aller chercher quand même les archers ici. Pourquoi est-ce qu'ils sortent? J'en sais rien. Vos guerriers ont repéré des ennemis dissimulés. Oh là là. Ah, ils sont sortis par là. Ok, je vois. Vous êtes comme ça, vous. Donc là, on va viser comme ça. Les lanciers, vous allez aller ici. Bon, là, c'est plié. Là, vous par là. Bon, là, c'est réglé. Je vais par contre dire à le météore d'arrêter le TK. Stop. Allez, hop, bisous. Ah bah, un homme j'ai perdu. Alors, qu'est-ce que ça donne à Kizamos, là? Bah, ça donne que bah, c'est calme. J'ai juste attendre de raser la crête avant de partir. Je vais faire ma... je vais raser Kizamos, comme ça je vais être bien et je vais commencer à remonter vers la Grèce. Je vais voir si je peux pas négocier des paix avec certains qui m'intéressent pas. Bon, Tlawa, je te demande rien, je suis généreux. Hein, on dit... Alors Achille a 8 territoires. Agamemnon, il en reste 10. Sparte en a 12. Ithac, ils en ont combien? Ils en ont 8, ça va. Ok. Bon, là, la croisade éthiopienne, là, c'est le Deus Vult éthiopien, là. Sur U4, j'ai vu qu'il y avait des succès avec l'Ethiopie. J'en ferai pas en stream, bien sûr, mais ça peut donner des idées. Poséidon est pas content. For my kinsmen, fight with honor. Cinq hommes. Leave no mark of this place. Très très bien. Là, on a tous nos bâtiments au maximum.
Et je vais préparer tout de suite la prière pour Poséidon. Gods of Olympus, hear my call. Bon, dans 5 tours, on aura des unités là. Ça va nous donner. Ah bah, je peux déjà les appeler. Après, remplacer les deux archers par les archers de Wawat et ça par là. Je vais quand même attendre un petit peu. Si je trouve une colonie de renommée sur le chemin, bah, je dirais pas non. Our chance will come. Parce que si ça peut doubler mon pool d'unités, pourquoi pas. Bah oui, Sarpedon, t'as raison. Ah, maintenant que je tape sur les Achéens, ça commence à remonter bizarrement. Bon, c'est pas plus mal. Donc là, je me concentre aussi sur mes 80 colonies, mes antagonistes et mes missions. Donc je dois raser Mycène et une autre ville. Merci Poséidon pour ta clémence. On va faire attention qu'il n'y ait pas une armée qui se pointerait. The winds carry us. Eos guides us. Voilà, on sait qu'il y a un village ici. Je vais pas débarquer, c'est trop greedy. Bon, tant qu'à faire. La paix avec Sarpedon, elle est toujours pas envisageable. Bon, même si ça baisse. Petit pack dont agression. Ok. Les Amazones d'Hippolyte, ça se passe comment? Elles ont combien de territoires? Elles en ont 11. 375 d'or, bon, ça va. Fait cher le pack dont agression, mais... ça va nous aider un petit peu pour le long terme. Et en plus, j'avais pas fait cet objectif, là, de mise de truc. Et en vrai, dans les développeurs, ils sont malins, hein, parce qu'ils disent qu'il faut pas trop s'étendre avec l'administration et tout. Bon, avec même nous, on n'est pas trop affecté par ça, mais... en fait, il y a un succès sur le jeu qui demande d'avoir tous les titres. Alors, je sais pas si c'est sur la même partie, forcément, ou si c'est sur plusieurs, mais bon. Imaginez faire une World Conquest. Tu fais ça avec les Amazones à la limite d'Hippolyte, c'est rigolo. Defender of Troy. La cité de Citer to the field of battle. Va connaître le couvent de l'Éthiopie. C'est la première ville proche de la Grèce qui va être menacée et rayée des cartes. This city story ends here. Qu'on récupère de la nourriture. Wherever we are needed. The sea beckons. Bon, tu sais quoi, on va t'appeler en renfort. I command the warriors of Ethiopia and beyond. Toi, ça me fait chier de te charter, mais bon, t'as bien servi. King of Ethiopia. Pharaohs will be done. Parfait. Ça, il nous reste encore ces deux-là à remplacer. Après, je pourrais juste dégager les fondeurs et la mythe. Parce que là, ça m'en fait 6, c'est 2, 8. 9. Ou alors, je vais faire les deux yeux plus, mais ça m'embêterait. On va voir. Hein. Déjà qu'on a une armée qui est très forte. En 1v1, elle est compliquée à les chercher. Hein. Donc là, Itis, c'est cette ville ici. À mon avis, ça va être gardé, je pense. Ah, bah tiens, Itis, justement, c'est une ville de renommée. Ça m'intéressera plus ça. Pourvu qu'il n'y ait personne. Bon, il n'y a personne, mais on va profiter. On va raser. On a fait la mission épique. L'épée de la paix. Raser Sparte dans la province de Lacédémone. Car l'espoir de la paix est passé et seule la discorde demeure. Et ainsi la diplomatie meurt aussi vite que l'homme.
Les pourparlers avec le roi Ménélas sont mal tournés car le seigneur fou de Sparte n'aspire qu'au sang et à la vengeance. Très bien. Si le démon ne veut pas écouter vos paroles, alors faites-lui entendre les cris de ralliement des serviteurs du souverain divin. Lorsque la folie de Ménélas sera écrasée sous les bottes des Éthiopiens, la mer Égée connaîtra à nouveau la paix. Récompense, serment non tenu, 15% de portée de campement, 15 tours, hors spartiate, plus 100% des décrets supplémentaires et 2 tours de temple pendant 8 tours, 5000 de nourriture, 1000 de bois, 500 de bronze, 1000 de pierre, 200 d'or. Bon, on va attendre un petit peu avant d'aller raser, hein. Déjà se mettre en position. Je vais aller chercher Oitolo pour avoir un peu plus de pierre. Donc dans 5 tours, on aura terminé ça. On a 4 territoires, là on aura bientôt le 5e dans 5 tours. Et après je pense qu'on va aller chercher ce vivandier là. Mais je vais attendre d'avoir le bonus de Sparte là. Et justement Sparte c'est l'une des villes aussi qu'on doit aller chercher pour la victoire Total War. Donc ça sera la deuxième qu'on aura rasée. J'ai pas regardé à combien de cités on était, tiens. Memnon. Alors déjà, j'ai avancé jusque-là pour commencer. Sparte doit être bien gardé, hein. Oitilo, ça va être notre cible. Je vais voir pour des nouvelles paix. Et d'ici, ça commence à se rapprocher. Hein. Ouais, ça diminue bien, c'est cool. Par contre, faut que je vous appelle. Hein. Parce que là, regarde. Je peux recruter 3. Bah, tu sais quoi? Let's go. Loyal and brave. 4. Il nous en manque plus qu'un et on a le succès. Stone's protector. Comme ça, peut-être que lui, je vais le virer finalement. Je sais pas, je vais voir. Sparte, là, ça va sentir le roussi pour eux, là. Ils ont perdu toutes leurs possessions en Crète. Là, ils vont perdre le sud de la Grèce. T'es gourmand, Sarpien. Pas encore. Je pense que plus on va attendre, plus nos relations seront cordiales et moins on aura déboursé. Ah, eux, ils me redéclarent la guerre, tu sais pas pourquoi. Il y a du bronze ici. Là, on va raser le sud de la Grèce, ça les gars, je vous le garantis. Y a personne encore. Bon, on y va. Récupère un peu de bronze et de l'or. Et là on rend notre armée très forte hein, avec ce bonus d'attaque. Let's go pour Sparte. Bon, je vais me mettre en camp dans le doute. Non, je vais rester comme ça. Cette technologie là elle est insane aussi. Hein. 9 tours, t'as encore un tour de siège en moins à attendre quoi. Son of Tithonas. Bon, il n'y a pas un vrai défi qui se profile là, s'il vous plaît. Par contre, il y a tellement de bronze à se faire dans le sud. Oh, on a 2 colonies de bronze intéressantes, Mécène et Tyrée. Même si je vais aller raser un peu Pylos pour le travailler. Ok, quelqu'un à Sparte. T'es sérieux? Ah, il y a quelqu'un, je me disais bien. Tu sais quoi? J'ai une idée. Je vais acheter un vivandier avec un même nom que j'ai pas pensé. Mais là, il va être utile.
answer my summons and show me your ways. Et je vais faire ça aussi, le butin mort. There is benefit in employing more exotic expertise. Fight with honor. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai tout ça qui est mis vivant dit. Alors, le premier. Assassin égyptien. Ça va blesser l'un des héros au choix. Ah, je peux en prendre qu'un. L'armée fatiguée en début de bataille, c'est bien ça. Remember your training. On va aller en les épuisant, on va se donner un petit avantage. Alors, vous sortez ou pas les Achéens là? Non, vous sortez pas, tant pis. Bon bah Sparte va vite tomber hein. Ah, il y a une armée de là-bas qui est passée, je les ai vus. Propose. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, t'as raison. Il n'y a pas des unités bonus là pour des unités. Donc là, c'est beaucoup pour Arès. Il n'y a pas un truc pour les infanteries à bouclier que ça fait du dégât. Armée de lance, non. Alors, unité à massue, on n'en a pas. Je pourrais recruter un cyclope, mais non, pour le moment, ça suffira. Tu sais quoi, on va faire une hécatombe à Artémise et une petite prière à Artémise. Les chances d'embuscade, ça aura son utilité tôt ou tard. Bon, vous voulez toujours pas sortir, les boys? Je vais prendre tellement de pertes, non, on va éviter. Time to test our skill. Là-bas, on a des centaures en plus. Et comme on a le bâtiment au niveau maximal, on peut avoir des unités de mythique de tous les tiers. Ça, c'est bien. Bon, bah, Mécène et Pylos, hein, désolé, vous êtes les prochains. À une personne, elle est juste politique. Donc lui va recoloniser, ce qui est logique. Le territoire d'Yaya est débloqué. Artémise a entendu notre prière. Bon. ...4500 de bronze, on va faire des caravanes orientales, ça va augmenter les renforts d'Asie pour de plus 1. Donc je vais attendre un peu. Ça donne quoi si je fais ça? Bon, Sparte c'était sympa, mais il n'y a toujours pas de défi. This city is no more. Sparte a été rasé. Ah, la guerre continue. On doit raser ou mettre à sac 10 colonies provenant de culture achéenne. Alors. Ouais, très simple. Mais le départ, il est chaud. Hein. Thanos. En fait, le départ, ils disent que c'est facile, mais le départ est très compliqué au début. Il faut faire très attention. Raser ou mettre à sac 10 colonies des Achéens. Toutefois, les héros sont bénis par les dieux de cette façon, certains avec la ruse, d'autres avec du courage, mais tous avec une fin de gloire. Les Argiens sont des idiots. Le roi de Sparte est vaincu, ils n'ont plus aucune raison d'envoyer des hommes à la mort contre Troie. Mais la folie de Ménès a poussé les tribus de l'Achéie à rejoindre le conflit. Et il est trop tard pour apaiser leur soif de violence. Ce n'est qu'une fois battus couverts de sang qu'ils battront en retraite au-delà des mers. Les Lions d'Éthiopie, ça a donné beaucoup de bonus dans notre armée. 10% de dégâts de projectiles. 15% de bonus de charge pour toutes les unités, 10% de dégâts et 10% de dégâts de mêlée et d'attaque en mêlée pendant 8 tours. 15% pour l'attaque en mêlée, waouh! 7ème mission épique. Donc prochain tour. Quoique, tu sais quoi, non. On va enchaîner tout de suite sur. Sur les. Attends, c'est quoi le truc?
Je vais faire tout de suite le truc de la haute Égypte, comme ça on aura le dernier. Le truc déverrouillé, quoi. Donc là, nos gars sont en bonne position. Ah, mais je peux avoir des archères d'Artémise. Et je peux avoir des Spartes aussi. Bon, on va réfléchir. Je vous dissous tous les deux. Comme ça, je vais prendre le dernier guerrier Chardin. Ça m'en fera 10. Est-ce que je l'ai eu le succès? Non, peut-être qu'il faut que j'attende la fin de tour, je sais pas. 4. 1. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Normalement, il devrait se débloquer. Et là, est-ce que je partirais sur des archères de guerriers des guerriers d'Artémis? On va essayer de voir ce que ça donne. On a un bon pool, hein. Il me reste encore une place. 3, 6, 9, 10. J'ai encore une place. Allez, on en prend une dernière, comme ça on aura tout ce qu'il nous faut. Par contre, j'ai pas eu mon succès, tiens. Bon, on va voir, hein. In defense of Troy. Je sais pas pourquoi, mais je l'ai pas eu. Tu vois qu'il y a encore un problème avec les succès, je sais pas. Understood. Je vais revérifier, mais. Bon, on va continuer, on va raser, hein. On se pose pas de questions là. Fight with honor. With pride and valor. Remember your training. This city's story ends here. Après, j'ai mis un mode, c'est pour les animations de mort. Je pense pas que ça a une influence. Parce que je trouve que les animations c'était pas réaliste quoi, quand tu te prenais des tirs ou des dégâts. On a combien de villes maintenant? On est à 30 colonies. Je pense pas que ça fasse bugger le truc, mais bon. Au pire, je redémarrerai, je relancerai le jeu, on verra. Je ferai ça la prochaine fois. Prochaine étape, Pylos. King of Ethiopia. To the field of battle. Remember your training. Leave no mark of this place. D'accord. Après, peut-être que si je lève une seconde armée. Là, je suis un peu tranquille, je pourrais lever une seconde armée, tu me diras. Pharaoh will be pleased. We have come to conquer. Je lui donne 3 d'armure en mêlée, ça il la gardera. Ça, c'est toujours utile. Ça me sert pas, mais ça peut servir pour toi, peut-être, à la limite.
Est-ce que je peux te recruter des troupes? Serving Pharaoh. Not an arrow wasted. Je peux te recruter pas mal de troupes, toi. Bah, tu sais quoi? On va recruter un peu, on va se le permettre. On a déjà assez de tireurs comme ça, je vais essayer de recruter de l'infanterie. J'attends notre prochain tour, j'essaie d'en recruter des guerriers Xardan. Est-ce qu'ils disent dans vos armées? Est-ce que c'est pas lié à ça justement? Que si j'ai qu'une horde. Ou alors faut attendre la fin de campagne peut-être, je sais pas. Ça, si c'est ça, ça va être long. Faisons le test. Heed me, worthy men from far and wide. Dans mon Steam, je vérifie hein, si j'ai pas fait un truc. Ah non, je sais pas pourquoi il me l'active pas. Alors, il me faut encore combien de colonies à raser là? Ah, il m'en faut encore 8. Youpi. Bon, prochain tour, on pourra recruter. Loyal kinsman. Forward. Not an arrow wasted. Leading the way. Je vais mettre en embuscade. Awaiting your bidding. Donc là on a deux villes, Alifera et Altis. Donc là il y a deux villes de plus, ça va en faire 4. Je vais recruter de l'infanterie égyptienne. On va en avoir besoin là. Et si on peut recruter des gens pour la deuxième armée, alors là c'est un must-have. Ah, Mantinée, c'est une colonie de... Ok. Dionysas n'existe plus. My honor guides me. Écoute, je vais faire gaffe à Altis. I, the Falcon. Respectfully, I disagree. Si je fais ça, je perds mon unité de géant. Je vais pas recruter quoi. They must die. Bon, juste l'archer géant qui pourra prendre cher. Et là, je lui batte, je vais commencer à lui préparer son armée. Turn the city to a tour. Ready for any. Et toi, même non, tu vas aller voir ce qu'il y a à Altis. For my kinsmen, with pride and valor. Time to test our skill. Voilà. Leave no place to hide. Très très bien. Staunch protector. With me, men. Here to serve. Oh, des champions géants. Allez, vas-y. Il y a une ville qui va avoir une armée de gens débarquer sur eux, ça va leur faire tout drôle.
Vas-y, viens à toi. Bon, c'était facile, hein, Martini. Voilà. Bon, là on va aller attaquer Myrcinos. En vrai, il taxe, c'est pas loin hein, quand tu réfléchis. Eh, on pourrait peut-être aller faire un petit séjour à Ithaca pour détruire la troisième ville qu'il nous demande. Ça en fait 6, il nous reste encore 4 à aller chercher. Olenos, tiens donc. Prochaine étape, la ville de Tyré. Oh, tu proposes une alliance défensive, Vector, je signe. Oh, ils sont en train de se... Ils sont en train de boire le bouillon, là, c'est bon, ça. La ville de TG, ensuite Tyré, et on remonte, vite. Là, les villes, elles vont tomber, mais... Puissance dit, si on perd cette heure, tant pis, mais au moins on aura vu qu'elle est capable de faire le boulot. Là non, on va éviter ici. Eh mais on n'est pas loin de Mycène. Alors toi t'es rang 4. Alors je regarde un peu les capacités de l'archer parce que je me demande s'il a pas la capacité de bataille de nuit. Bah bonne nuit Thanos, à la prochaine et merci d'être passé. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de la capacité. C'est dommage, ça. En plus de portée, évidemment, ce sera utile. Embuscade ici, ça sera utile. Servant of Egypt. Remember your training. This city is no more. Memnon of Ethiopia. Our journey continues. Hop, là on va pousser sur les villes d'Ithaca et tout. Comme ça, là on va être bien. On va essayer de tomber Argos, enfin quoi que. Il resterait TG à aller chercher aussi. Défaite au nord, j'ai reculé. Ah, là par contre son armée elle est amochée. Là il a voulu recoloniser, ce qui est logique, mais là je vais pouvoir le contre-attaquer derrière et le détruire. Ok, lui il m'attaque, bah qu'il vienne. Quoi, même avec une armée comme ça, j'arrive pas. On va repartir. Après, il a beaucoup de lanciers. Hein. Bon, on va la prendre. Turn the city to a tomb. Son of the desert. Not an arrow wasted. We put fear in their hearts. On the march. We can appoint sentinels.
Il va nous faire un peu de ça. Au pire, si on perd l'armée, tant pis. Hein. Bon, on va avancer avec eux, même nom. On va raser encore une belle ville. Leave no mark of this place. Ah, on l'a fait. Super. La guerre continue, c'est fait. Alors maintenant, mais Artémis au palais léger, qui avait l'attention de son père, avertisseuse des dieux étrangers du roi d'Éthiopie. L'inquiétude balaye les rangs de vos armées comme un vent mauvais gonfle les flots. Rassemblant leur courage, une délégation de vos hommes ose enfin s'exprimer. Nous marchons sur les terres des Olympiens, et pourtant chacun de nous continue d'honorer les dieux de sa patrie. Les souverains de l'Olympe ne vont-ils pas précipiter notre chute si nous ne leur offrons pas l'obéissance qui est due? C'est des bonus temporaires pour honorer les Olympiens, mais ça... Immuniser la psychologie, en vrai, c'est vraiment craqué. Je vais le prendre. Je dois maintenir... Alors, l'héritage de Titon. Le roi d'Éthiopie a rassemblé de nombreux guerriers redoutables, certains venant d'Égypte, d'autres du pays de son père. Les bénédictions de Pharaon vous sont parvenues de l'autre côté de la mer. Un contingent d'hommes féroces est arrivé jusqu'à vous, car votre roi divin a envoyé de l'or à la cité mésopotamienne de Sus, fondée par le grand Titon, votre père. Davantage de ces puissants guerriers pourraient vous rejoindre votre cause si vous vous renvoyez une partie de votre butin de guerre. Ça donnerait les lames de Suse pendant 8 tours. 15% d'entretien et 10% de morale en plus. Et 2000 d'expérience pour tous les héros. Ouais, donc il va falloir une troisième armée. Ok. Je vais me mettre là. Ouais, il faut une troisième armée. Alors là, il va nous falloir beaucoup de renforts. Ben là, justement, on parle de Suse. Ça fait 13 unités déjà. On va se mettre en route pour Aiglon. Et là, on va continuer de rappeler des troupes. Il nous faut des renforts là pour les objets, pour le la mission épique. Ce n'est pas mon armée, s'il te plaît. Non, ça va. Donc là, il va nous falloir 7 unités supplémentaires. Bon, par contre là on va peut-être repartir vers le nord. On va raser et asservir. Il va gagner un peu d'expérience comme ça. Et plus de munitions pour lui. Et derrière, je vais bénir Poséidon avec une hécatombe. Et je vais rappeler des troupes. We are bolstered by the might of distant lands. Ah, il nous manque encore une troupe, ça c'est con. Servant of Egypt, my honor guides me. Time to test our skill. Memnon's confidence. Remember your training. With pride and valor. This city's story ends here.
Defender of Troy. Voilà. Il ne manque plus qu'une unité, on aura fait l'objectif. Et là, au prochain tour, on va débloquer le dernier territoire. Ce qui fait qu'on aura déjà l'un des objectifs d'accompli pour la victoire mineure. T'es gourmand, Sarpi. Hein. Bon, toi, à la limite, pour la bouffe, je veux bien. Je pense qu'on va aller à Mycène d'abord, et après, on repartira vers... comment ça s'appelle ? Ithaque, comme ça on aura déjà 3 des villes rasées sur les 4. Allez, tab est déverrouillé, on a fait le dernier déverrouillage. Je vais partir sur les renforts d'Asie, ça va être important. Alors les renforts par contre. I commend the warriors of Ethiopia and beyond. I follow. Guided by faith. Butter is my soul. Alors je me demande ce que ça donne si j'attaque Stinfal là. Je vais pousser jusqu'à Stinfal et Mycène et je vais arrêter l'épisode là. Rouse the men. Fight with honor. Time to test our skill. Voilà. Leave no place to hide. Ça y est, ça c'est fait. Alors, apprenant la mort de ceux tués par la main de Memnon, Achille, fils de Tétis, a juré devant les dieux de se venger. La nouvelle de vos puissants faits d'armes est parvenue jusqu'aux confins de l'Achaïe, où le redoutable héros Achille fulmine sur vos exploits et jure de venger ses camarades tombés au combat. Bien que l'habitude d'Achille au combat soit redoutable, il n'est sûrement pas à la hauteur de la vôtre. Vos hommes vous regardent, vous préparez la peur et l'incertitude dans leurs yeux. Se vanter de votre puissance, préparez calmement la bataille, on gagnerait quoi ? Résistance à la fatigue, armure plus 10 et plus 10 de dégâts. Allez, on est un dueliste. Alors, un affrontement divin. Assurez-vous que la faction suivante soit détruite ou confédérée, dit. Et alors que les héros s'affrontaient comme deux êtres divins, les cieux et la terre tremblèrent et les dieux regardèrent. Une bataille contre le grand héros Achaïen Achille vous attend. S'il n'en est pas douté, un adversaire de table, il ne fait pas le poids face au fils de l'horreur, serviteur du souverain divin. Vous l'écraserez comme tous les mortels et mettrez fin à ce conflit sanglant qui menace vos alliés sur le rivage égéen. Aux armes. Héros de expérience pour les héros, plus 2500. Briseur de héros, plus 15 de portée de campagne pour les prochains tours. Le champion humble. Push onwards. Ok. Oula. Bon bah on va vous détruire tous les deux hein. Bonjour Achille. They serve Pharaoh now. March with me. Achille est vaincu. Son of Tithonus. Est-ce que je peux recruter quoi? D'autres unités, ouais. In Pharaoh's name. Donc lui va se ramener aussi. Là on va essayer de remonter là. J'ai 2 points disponibles. La fatigue en moins ce sera cool. Tu me proposes une alliance militaire, mais ça m'intéresse, Hector. Oh là là, Mycène, ils sont en train de se faire dépouiller. Ah, il y a des rebelles qui ont spawné, bah justement. Il y a une armée qui va se faire plaisir. Alors, qu'est-ce qui reste à Mycène, par curiosité ? Oui, ils nous rejoignent, ok. Enfin, ils rejoignent la guerre contre nous, très bien. Je vais partir sur plus de butins dérobés, ça peut être utile. Ils
sont à raid. You ask too much. Bonjour. We bring ruin. Au revoir. Slaves are better than corpses. A son of Nubian kings. Hop, comme ça, Corinne dans la foulée, on l'enchaîne avec ce gars. Tomorrow, Eos rises on ruins. Son of the dawn. Comme ça, tu reprends un rang, je te mets la voix d'Athéna au maximum. Alors. Encore 8 colonies. Hein. Mycène en a encore 8. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'ils sont pas repartis en Crète. Je pense qu'il doit y en avoir là. Je regarde un petit peu où il y en aurait. Bah, attends, tu sais quoi, j'ai une idée. Tu me proposes la paix, je veux bien. Sarpedon. By Zeus's aegis, this had better be worth it. A workable. Ça, on va. Là, j'ai pris un gros risque, mais bon, là, on va améliorer une relation avec Hector. Est-ce que tu pourrais commencer à taper ici, par exemple? Bon, on va se mettre là. Mycène, y'a rien. Si Mycène est rasé, alors là. Bon, allez, on sacrifie le Philistin et on rase Mycène. Comme ça, on est tranquille. Parfait. Bon, bah c'est pas mal, là, on a bien avancé. Donc on va s'arrêter là, donc pour cette session, pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Donc on a détruit Mycène, on l'a rasé. La prochaine étape, c'est Ptéléon qui se trouve tout au nord. Donc ça va être le territoire d'Achille. Et il faut qu'on détruise Achille aussi en plus. Donc ça promet d'être pas mal. Au niveau des villes, on a déjà rasé 2 sur les 4, la moitié des colonies. La faction antagoniste, c'est en cours. Il va falloir qu'on ait nos alliés qui se bougent un peu. Mais globalement, ça devrait aller. Allez. Je vous dis à la prochaine YouTube, des bisous, ciao ciao.